Hello les petits potes, c'est Rookie de retour sur Black Ops 6. Et aujourd'hui, on va parler du camo diamant des shotguns. Le camo diamant vous demande de faire 10 fois 3 éliminations sans mourir avec les shotguns. Et le défi est le même que ce soit avec l'ASG-89 ou le Marine SP. Concernant les astuces, si vous arrivez au niveau du camo diamant, vous avez à la fois débloqué combattant artilleur en joker, mais également assez d'accessoires pardon, pour en avoir 8 sur chaque shotgun. Donc, je vous recommande d'utiliser combattant artilleur. Pour ce qui est de la classe de l'ASG-89 que j'ai utilisée, la voici, ainsi que la classe pour le Marine SP, en sachant que j'ai même pas débloqué la dernière section mode de tir. Et je vous recommande de jouer en mosh pit confrontation hardcore pour la simple et bonne raison que le profil de dégâts des armes va être beaucoup plus compliqué à jouer en normal. Je m'explique, là on est sur le profil de dégâts de l'ASG-89. On voit que ça fait 30 dégâts quasiment partout. C'est le nombre de points de vie que l'on a en hardcore. Si on va en normal, on va devoir tuer au moins avec 4 balles à chaque fois, ce qui peut s'avérer être beaucoup plus compliqué pour faire des séries de 3 kills sans mourir. Pareil pour le Marine SP, vous ne pouvez pas tuer en une balle, sauf si vous mettez des munitions particulières mais qui vont réduire énormément la portée des dégâts. Donc moi je vous recommande de jouer hardcore pour les deux shotguns. La deuxième raison, c'est aussi pour la disponibilité des maps. La disponibilité des maps les plus intéressantes pour les shotguns, qui sont pour moi Stakeout et Pit, ne sont disponibles de manière, on va dire, plus fréquente que en mode mosh pit confrontation hardcore ou alors en mode escarmouche. Mais en mode escarmouche, vous avez des classes prédéterminées, donc ça ne marchera pas. C'est pour cette deuxième raison que je vous invite essentiellement à jouer en mosh pit confrontation hardcore en privilégiant un maximum Pit et Stakeout. Les autres maps que vous verrez en confrontation hardcore sont Warhead, Gala et Heirloom, mais à mon goût pour le shotgun, il y a beaucoup trop d'open space, c'est pas assez intéressant. Allez, s'allonger là. On sécurise la zone A. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur le camo diamant des shotguns vous aura aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.